Attention à la speed limit quand même. Oui, ce serait con. Essaye de pas faire une de le court. Aïe aïe aïe. Alors j'ai remarqué qu'il y a des voitures que tu peux enlever le volant et d'autres non. Il y en a où tu peux pas les enlever, mais il est fixe. Oui, c'est ça. Comme là, Dallara, c'est fixe. Et je me demande si c'est pas les volants, il y a des indications dessus. Ouais, faut pas perdre ton dashboard. Ouais, voilà. Piégeux, ça. Parce que Kevin nous dit bon courage, mais à nous trois. Ah, la bise. Ah, voilà. T'arrives à prendre le corkscrew en première, moi je me mets dedans hein. Ouais, moi je suis en première aussi. Oh, je me mets totalement dedans. Ouais, la concentration est maximale, effectivement. À son paroxysme. Okay, here comes your first time. Putain, tiens, un moteur de moto quoi. V8. Mais le nombre de tours, quoi, c'est hallucinant. Je suis tellement pas confiant. Ah bah à tout instant tu te dis c'est le drame quoi. Ça que peut être le sort vous soit favorable, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Jennifer Lawrence, oui, il sera favorable, mais là, c'est pas le cas. Ah. Non ! Pardon. Oh, c'est dégueulasse. Je crois qu'on est tous tombés au corkscrew, non ? J'ai failli. Voilà. Il y a des pseudos qui se font exclure, ça fait beaucoup rire. Ok, c'est un off-track, allez me faire voir. Voilà. Écoutez, on est incroyable 6ème de cette qualif. Donc on va sûrement finir 20ème. Alors non, c'est pas Automobilista du tout, c'est iRacing Rally BTS. Et voilà, c'est fait. Le petit mur. Non, quel con ! Wally Walou. Première phrase sensée de la soirée pour Andy. Je vais en dire une deuxième, quel enculé. Pas de soucis, Rally VTS. Que de monde qui a posé un temps. Incroyable. Ah mais t'en as posé un toi, au moins Max. Mais le mec... Et voilà. Partir magnifiquement 16ème, c'est superbe. Vive la vie. On peut changer si tu veux. Nourage les fanboys. Ce rire était un peu trop maléfique pour. Légèrement. J'ai eu un peu peur, je me suis maté un peu. Ça sent que j'aime pas l'open wheel. Ça sent que tu vas te faire foutre dehors, oui.
Oui, aussi, oui. Je m'y attends. Là, je crois que je refais comme t'as, je prends le micro, je le lâche. There's the flag, it's over. Ah, bah vous savez que c'est fini. Yep. Ma livrée, c'est une STP. Ouais, s'il te plaît. C'est une Jordan. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. Ah, il y a un tour de formation. Non. Ah, on va pouvoir se formationner. Oh, ça va être beau. Ah, c'est-à-dire que c'est un départ lancé. Putain, que je connaissais la Dallara à Laguna Seca, ça tourne mal, dont 1000 euros. Je donne une information à certaines personnes. Ne partez pas en première, vous allez partir en tête à queue. Retour Zamaï. Ah! Bon, c'est quoi le Valenti? Elle est magnifique, là. Ce serait cool qu'elle soit dans iRacing. Ouais. Nathan qui fait 26, on est mort. Ah, Monkey qui part juste devant moi, effectivement. Moi, devant moi, j'ai Andy avec sa Marussia, incroyable. Drop the mic. Voilà, c'était du beatbox leader. Ah, la même, Romain, bonne course. Toi aussi. Je vais totalement couper le moteur de ma voiture, très bien, tout va bien. T'as calé? Ouais, non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Regarde, je tiens mon volant comme certaines spécialistes. Shadow Fuchette de voir. je vois pas, j'ai pas le retour, mais. Incroyable, ça chauffe les pneus. Ça chauffe les pneus, sachant que ça ne sert à rien. Tout le monde est très prudent, hein. Je sens mal. Je tiens à dire, hein, s'il y a un problème et que c'est pas de ma faute, j'insulte. Hein. Combien sur la grille? Je crois qu'on doit être quelque chose comme 25-26. Je pense, ouais. Ce qui est déjà beaucoup trop. Ah, entre guillemets, t'as rien à craindre, je suis derrière toi, Andy, pour le départ. Et si quelqu'un me double, ou me bourre. Voilà, comme ça! Sérieux? Non, Andy qui a freiné, le mec derrière moi, il. Ah, j'ai touché devant. He break checked me! Ah, mais là, le mec devant m'a break checké complet. Ah, je suis déjà rentré dans l'aileron arrière des briques sur un ovale, hein, au tout début d'iRacing. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Dans un nuage, dans un épais brouillard. Il me fait très peur, le mec. Ah, Kiki la frite, t'inquiète pas, il y aura encore des nuits des abonnés. On en fera encore une avant la rentrée, je crois. Bien sûr, un off-track en tour de formation, dans le corkscrew. Essaie de passer à deux de front, toi. L'armée des 12 singes, quasiment. Enfin, je vois pas ça, mais... Spoil ses armures dans la planète des singes, c'est bon, ça. César. C'est toujours bien, 50 mètres avant un départ. Le laissez passer. Ah, je le sens pas. Tu sais, c'est le mec qui le sent pas dans les tous les bouts, là, tu sais, je le sens pas. Green. C'est tellement de bazar, on est parti à 3 de front quasiment. Ah, Candy, on a fait un bon départ pour l'instant. Ah, alors que ça part en tête à queue devant. Ah. Ah! Pas content. Je le comprends parce que quand ça t'arrive, oh Andy! Et voilà. Elle roule toujours! She's alive! Ouais, j'ai juste un roue qui touche un peu la carrosserie. Une roue, pardon, qui touche un peu la carrosserie. Mais c'est pas grave. Rien à dire. Voilà, la voiture elle est pétée. Ta voiture a l'air d'être toastée.
elle tente plus rien. Oh là là. Looks like car is just. Voilà, c'était mon invitation du. Mon invitation du spotter. Merci à tous. En vrai, ça se pilote, hein. Ah mais carrément, faut juste être. Ouais. On ne voit pas, encore une fois. 17ème, je suis à ma place. Putain, mais elle tourne plus. Personnellement, ça se passe, on est 6ème. T'as du bol. Un peu dans un no man's land. Hop là! Trop de freins. Mais je crois qu'il y a tellement de gravier sur la piste que l'adhérence est dégueulasse. Excusez-moi pour tous ceux qui ont des écouteurs pour suivre cette nuit des abonnés. Alors que je viens de dépasser Emric. Ah bah attends. Voilà voilà. Le comportement de certains me dégoûte. T'as les noms? Non non, je te demande mais. T'as le replay. Voilà. Ça sent le mur de Zizi sur Steam. Pas d'arrêt au stand de PM normalement. À moins qu'on vous défonce. Comme je viens de faire, mon arrêt au stand. Pour 10 tours, y'a pas besoin. Non, non. Putain, le mec s'est complètement arrêté en plein milieu de la route. Finalement, la séance d'essai se passe bien. On travaille sur les bons relais. Ah, moi j'entraîne les mécanos, à remplacer les carénages, les cardans. Moi je visite les graviers de Laguna Seca qui sont plutôt intéressants. Je fais un travail les directeurs de course pour savoir qui c'est. Vous sentez le retardataire qui a rien à voir dans l'affaire et qui va venir mettre son grain de sel? Voilà. Ah, je le dis tout de suite à les enfants, si Vincent est plus rapide, je vais pas essayer de me foutre dehors. J'ai moins à perdre à le laisser passer qu'à essayer de résister à avoir un accident et perdre une minute et demie. Mais putain! Mais est-ce qu'on peut être aussi con? Ah. T'es pas fini, hein, toi, sans déconner. Bon, j'ai tapé devant et derrière. Normalement, la voiture a l'air de pas avoir souffert au niveau des suspensions, mais. C'est au niveau des virages, faut que tu regardes. Parce que moi, j'avais rien visuellement, mais. Quand je tournais, c'était une catastrophe. Je regarde le chat pour voir les émoticônes de baleine arriver.
le type sel. Je crois que c'était Vincent qui était derrière moi. Bon, ça va. Ouais, pas de merci, je suis fair play, pas comme certains. Oh, c'est chaud entre les deux premiers, c'est une belle bagarre à voir là. Les mecs ont la conf pour rouler. Ah, c'est ouf, mais ils roulent propre. Hein. Putain, je les ai vus passer. Mais moi, j'ai jamais fait ce combo là. Pareil. Ouais, ça attaque très très fort. Ben oui, je suis pas déjà fait. Un peu trop, peut-être même. Et je rentre dans le top 10. Ah, 13ème, attention. J'essaie de suivre les premiers. Oh, les premiers se sont tapés, non. Ah, bah voilà. Voilà, ils sont vénères. Car on your left. Yes. Clear on the left. Yes. En même temps. Oh là là, mais c'était tellement prévisible. Mais c'était tellement prévisible. Putain. Freinage. Retardataire en plein milieu. Il y en a un qui va dégager sur le chat parce qu'il commence à m'emmerder. Ah. Non, je pense pas que c'est que quand c'est un drapeau jaune les arrêts. Hein. Et en voilà. Indie. Faut poser la question à Andy, il connaît un peu plus en Indy. Voiture démolie, merci, bonsoir. Tu n'es pas quand il y a un drapeau jaune. Non, tu peux faire des arrêts au stand sans drapeau, mais le but c'est de toujours faire tes arrêts. Ou Andy. Le but c'est de toujours faire tes arrêts pendant qu'il y a des drapeaux jaunes. Mais non, tu peux faire des arrêts quand tu veux. Qu'est-ce que t'as eu, Andy? Ah bah j'ai tapé. Ah merde. C'est moi tout seul, je fais le con. Mais... Ah, parce que j'ai vu que t'étais ralenti, c'est pour ça que je... Romain il est vraiment vénère, il l'écrit, il le dit. Alors, en même temps, pour certains c'est compliqué quoi. Oui, je peux comprendre, c'est moi le premier. Oui, je sais, je fais une Joe Tanto hein, pour ceux qui ont la référence. Je vais essayer de la ramener comme ça, j'ai pas le choix, de toute façon c'est ça. 3 tours. Ou c'est foutu. Si c'est marqué que ta voiture elle est toastée, 3 tours. White flag, one more left to go. Je suis exactement dans la même situation que toi. J'ai la roue avant droite qui frotte contre le. Contre la carrosserie.
n'importe quoi. Ouais, j'ai mis du carrossage, effectivement. J'ai mis du carrossage sur l'auto. L'auto. Ah, il y a des sacrés attardés dans l'eau. Ouais, mais il n'y a pas que des abonnés, hein, que ce soit clair. Ouais, je vais me mettre à bourdonner. Ouais. Je suis P7 sur 3 roues, hein, tout va bien. Oula, ça se tape pas. Pardon pour le petit coup donné dans mon micro. Ben chaud. C'était drôle. Ouais. Alors ça a ragé sec. Ah ouais, mais ça se comprend, honnêtement ça se comprend. Driven, allez, j'abandonne. Je crois que je vais lancer une nouvelle série, High Raging. C'est ouf. Ah, c'est dommage hein, ce contact, alors que bon, on a soulagé, on pensait passer, et finalement on soulage jamais assez en IndyCar, c'est ouf. En fait, t'arrives toujours plus vite que ce que tu l'estimes en fait. J'ai vu Henrik, il y avait Guigui qui t'a doublé, je sais pas pourquoi, j'ai pas tout obligé. J'ai vu que derrière, il y avait. J'avais vu ton drapeau bleu, donc moi je me suis écarté, mais j'ai vu que Guigui t'a doublé. Mais heureusement que vous n'êtes pas classé. Ah oui. Là, il reste 5 minutes pour aller en ovale maintenant. À jamais. 11ème pour moi.